comtesse de Cadenet et la propriété de la famille Négrel depuis 1813. Nous sommes la 7e génération à mener cette propriété, l'une des plus anciennes familles de vigneronnes de Provence. Mathieu et moi-même, Maude, accompagnée par notre père Guy, bien sûr, nous transmet cette propriété comme chaque génération a su le faire. On est en appellation Côte de Provence, terroir Sainte-Victoire. Un des points forts du domaine, c'est à la fois ce sol très caillouteux avec beaucoup de calcaire qui vient de la montagne Sainte-Victoire, mais aussi ce climat si particulier avec ce vent, le mistral qui balaye la propriété. Climat qui oscille entre le méditerranéen et le continental avec des nuits fraîches, tout ça qui apporte beaucoup de fraîcheur à nos vins qui sont vraiment une caractéristique de leur élégance et de leur finesse qui ne serait pas le même si on n'avait pas tous ces atouts qui font du Mas de Cadenet ce qu'il est aujourd'hui, un vin avec beaucoup de minéralité, d'expression et vraiment une singularité qui le caractérise tout particulièrement. On comprend tout de suite quand on est ici face à la montagne qu'on est cette coulée calcaire qui arrive et qui est vraiment la typicité de notre terroir. Et on est là au cœur du vignoble sur une parcelle de Rolles qui est vraiment notre cépage idyllique en Provence. Une sélection massale qui plus est du domaine que l'on a depuis les années 30. Nous avons fait le choix en 2010 de convertir l'ensemble du domaine à la culture biologique. Par respect pour les générations passées, mais aussi par responsabilité vis-à-vis des prochaines générations. C'était une évidence. Nous avons 60 hectares de vignes, 15 hectares de céréales, tout ça parsemé de 5 hectares de bois. Et cette polyculture qui a toujours été pratiquée permet une biodiversité incroyable. Et tout ça, ça se ressent dans le verre. Le terroir, évidemment, c'est l'âme du vin, son support, mais la culture, c'est le vecteur, c'est ce qui va permettre de l'exprimer. Donc cette démarche durable, ces certifications biologiques, tout ça permet vraiment d'exprimer la typicité de notre terroir en Sainte-Victoire. Et magnifique.